Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos d'un glitch pour faire fusionner vos skins comme vous le voyez à l'écran. Alors le glitch est très simple à réaliser mais il faut juste le comprendre. Alors il faut savoir que ça ne fonctionne pas avec tous les skins. Donc si vous voulez déjà essayer, ben tout simplement vous allez devoir enlever tous vos favoris parce qu'il va falloir mettre en favoris vos skins que vous voulez fusionner. Et après ben vous choisissez n'importe quel skin, voilà comme ça. Ensuite vous retournez dans la boutique, enfin dans vos skins. Et là, vous allez choisir un skin où vous pouvez tout simplement rajouter une tête. Donc par exemple, moi j'ai ce skin là où je peux rajouter des têtes, un casque quoi. Voilà, il faut au moins un skin avec un casque. Après j'ai essayé avec celui-là, je sais plus si ça a fonctionné, ça a fonctionné à moitié je crois parce que c'est pas vraiment un casque. Il y en a un autre, c'est celui-là avec un casque. Enfin tous les personnages avec vos casques, vous allez pouvoir le faire, ok? Donc par exemple, je vais pouvoir avoir le casque du tigre sur un autre personnage homme parce que ça fonctionne les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Ça ne fonctionne pas autrement. Alors moi, je vais le faire avec le papy que vous voyez ici, que je vous ai montré. Donc je vais mettre le papy. D'abord, il faut que je choisisse un autre skin. Voilà, hop. Je vais mettre le papy avec un autre masque. Voilà, je vais prendre celui-là, sauvegarder. Par contre, je vais devoir rechanger de skin. Voilà, hop. Ensuite, je mets le papy en favori, donc ça c'est le premier. Donc le premier, vous aurez sa posture et son casque, ok? Donc sa tête et sa posture. Le deuxième skin, c'est celui que vous allez fusionner. Donc vous aurez le corps. Donc moi je vais choisir le démon Gorgon, et je vais le mettre en deuxième. Donc le deuxième, donc ça veut dire que j'aurai la tête et la posture du personnage sergent Frimas et j'aurai le corps du démon Gorgon. Donc il faut absolument que ce soit le premier avec le casque et le deuxième le corps, ok? Il faut vraiment que ça garde cet ordre-là. Donc ensuite, vous allez les mettre tous les deux en favoris et vous allez faire en sorte que vous obteniez le deuxième favori équipé. Donc là, par exemple, là, ça marche pas parce que vous avez vu, ça a fusionné. Je sais pas trop comment ça se fait que ça a fusionné avec ces deux-là, mais c'est complètement buggé. Donc là, vous allez rechoisir un truc aléatoire, comme je suis en train de faire, jusqu'à temps que vous ayez le deuxième skin que vous avez mis en favori, donc le démon Gorgon, comme je viens de le faire maintenant. Donc moi, maintenant que j'ai le démon Gorgon, ce que je fais, c'est que je vais lancer la partie en mode créatif, donc je lance un serveur. Et si c'est possible que ça ne fonctionne pas, hein. C'est possible que moi, ça m'arrive des fois que ça ne fonctionne pas. Donc je relance deux fois le mode créatif et je le quitte deux fois. Donc là, vous attendez que le chargement se finisse. Et ensuite, vous quittez la partie directement, donc vous quittez le mode créatif. Donc voilà, là ça a bien fonctionné, j'ai bien le démon Gorgon avec la tête du vieux, enfin du Père Noël. Donc après vous pouvez même faire ça, changer de menu et tout ça, mais vous ne pouvez pas lancer une partie. Et vous ne pouvez pas changer, par exemple si je fais choisir un mode de jeu et que je reviens, le skin sera débugué. Il faut absolument, c'est que un bug visuel en fait, que pendant le lobby. Donc si vous voulez troller vos potes, vous dire ouais voilà, il y a la personnalisation de skin, regarde j'ai su personnaliser mon skin, ben, vous allez pouvoir le troller comme ça. Alors, après ben, vous pouvez danser tout ça, hein. Par contre vous pouvez pas le visionner ici parce que là on peut voir que j'ai le personnage du Père Noël là, le Père Noël, mais dans le lobby ben j'ai pas le Père Noël, j'ai le démon Gorgon plus le Père Noël. Donc voilà. Après, je pense que j'ai tout dit. Ah oui, il faut que vous sachiez que ça ne fonctionne pas avec tous les skins. Donc, si jamais vous connaissez des ensembles de fusion, n'hésitez pas à le dire. Alors, comme je vous disais, si maintenant vous retournez dans le lobby et que vous n'avez pas la tête que vous avez prédéfinie, vous relancez, vous réessayez une deuxième fois, une troisième fois, vous relancez le mode créatif. Voilà, vous relancez le mode créatif, vous requittez une deuxième fois, une troisième fois parce que ça ne fonctionne pas à tous les coups. Donc voilà, là je pense que je vous ai tout dit, donc n'hésitez pas à mettre toutes les fusions qui fonctionnent dans l'espace des commentaires et toutes les fusions qui ne fonctionnent pas. Merci à tous ceux qui participent à ce partage d'informations, comme ça aide la communauté à savoir quel skin fonctionne et quel skin ne fonctionne pas. Alors bien sûr les sources seront en description, je fais une grosse dédicace à ZRK Glitcher ben, avec qui j'ai regardé la vidéo, donc grosse dédicace à toi, je mettrai sa chaîne aussi en description. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les mecs, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas le code créateur sur CoolMecYTV dans la boutique de Fortnite et ciao, peace.